Bonjour! Alors, j'ai juste envie de parler en français aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être je vais faire un week-end in my life, mais ça sera en franglais. Ce matin, j'ai les cours en ligne. Merci Dieu que j'ai pas à aller à Clignancourt parce que bien que je sois à la Sorbonne, il faut que j'aille jusqu'à Clignancourt pour mes cours. Et du coup, vous pouvez rejoindre un petit peu mes cours. Je vais vous montrer un peu ce que c'est les cours à la Sorbonne en ligne. Analyser grammaticalement la forme, hein, quelle catégorie grammaticale, genre, nombre, etc. Et puis ensuite, voir ce que, en espagnol, cette forme me permet de dire, d'exprimer, et du coup, quelle est la traduction que je vais pouvoir donner qui sera. Que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Con una propuesta radical de ruptura con el pasado. Incluso hoy, aunque ya se ha avanzado a otro momento en la historia del arte. Bon, il y a des gens qui vont sûrement arriver un peu après. J'ai commencé à lire ce livre-là, Sapiens. Ça parle en fait de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité et comment on a évolué. Ça m'intéresse de ouf parce que moi je suis vraiment intéressée par l'anthropologie, tout ce qui est les humains, les sociétés, comment ils sont construites. Et du coup ça c'est parfait pour moi, je l'adore. J'aime pas les laits Bioc, je les déteste. Je pense que c'est un marque français ou je sais pas. Même Bioc ça a l'air d'être nordique. Bref, je les aime pas. Je les aime pas. Moi je suis une Alpro Gal for life. Ah non, c'est vraiment dégueu. Non, je peux pas. Mon cours, il est quelle heure? Mon cours a commencé? Oh là là, le stress là, le stress! Ok. Maintenant, j'ai cours. Alors, à tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un changement, si vous voulez, dans la construction del claroscuro, comme Picasso. Ya vemos que retoma la idea de la luz, retoma la idea del juego del claroscuro, de las zonas que en la. En la perspectiva de Picasso, cubismo, la expansión del cubismo, él privilegia la luz natural. Je viens de retourner de la salle de gym, je suis allée pour la première fois et honnêtement, je suis fière de moi parce que ça fait un mois que je me suis inscrite et j'avais trop peur d'y aller. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'avais peur parce que je suis allée à un gym dans le passé et enfin, je me suis dit, mais Héloïse, vas-y, va, 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 va. Du coup, je suis allée et je suis trop contente. J'ai fait rien de trop dur, trop difficile parce que je voulais juste un peu voir comment la salle était. J'ai choisi Basic Fit parce que c'est la salle le moins chère à Paris. Il y avait plein de beaux mecs aussi. Je vais aller voir mon pote Kyle. Il fait vraiment très très beau. Good morning. J'ai pas vraiment filmé ce que j'ai fait hier. En fait, après, j'ai rencontré une amie pour aller à Mademoiselle Muche. C'était comme une péniche, une boîte sur une péniche. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort. Toi qui me fais peur, la mauvaise heure, ou la mauvaise heure, et autour de nous. Mais on n'est pas resté trop longtemps. Genre on est rentré vers minuit et demi, 1 h. Juste parce que j'ai pas envie de ruin my sleeping pattern. Comme c'était assez tôt, on a pris les transports pour rentrer. Alors j'étais seule dans le bus de nuit, le noctilien. Et après j'ai pris le métro parce qu'il y avait un métro qui était toujours ouvert et j'ai marché beaucoup. Me fait peur, à son mauvais sort, ou la mauvaise heure, et autour de nous. Chante les tiganes, tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant et sourd. Du
ne sais pas s'il y a quelque chose de wrong with me, mais j'ai juste vraiment pas envie de me tuer en soirée. Et là, il est presque 10h30 et je vais aller travailler à la BSG. C'est ma bibliothèque préférée. Vous allez voir, c'est vraiment comme Hogwarts à l'intérieur. En fait, il y a trois raisons pour lesquelles j'adore aller à BSG. La première, c'est que c'est comme Hogwarts. C'est trop beau à l'intérieur. La deuxième, c'est que je travaille hyper bien là-bas. Genre, je travaille à fond. Je suis entourée de gens qui travaillent, il y a vraiment une ambiance de travail. Et troisième raison, c'est qu'elle est située, la bibliothèque, juste à côté du fac du droit de la Sorbonne. Je pense que c'est de la Sorbonne. Bref, juste à côté du fac de droit. Et du coup, il y a des beaux gosses, je vous dis pas. Je suis convaincue que je vais trouver l'amour de ma vie là-bas. Et donc, ça me motive encore plus d'y aller et de travailler. Aussi, en ce moment, je sais pas si je suis la seule, mais j'essaie vraiment de ne pas mettre du mascara. Du coup, j'ai mis du Vaseline. Parce qu'on m'a dit que mettre du Vaseline, ça fait genre que t'as du mascara. Je sais pas si vous voyez la différence. Moi, je le vois pas vraiment. Mais bon. Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado. Je suis allée chercher des ingrédients pour faire une salade. Parce qu'aujourd'hui il fait très beau. Alors j'ai mon mélange jeune pousse. Je viens de me faire un petit vinaigrette. J'ai mis du moutarde, du miel et du vinaigre rouge. Après je vais ajouter des tomates, des olives, des carottes râpées. Oh my god! Les carottes râpées comme ça, quand on achète en magasin comme ça en France, c'est trop bon. Vraiment essayez parce que je pense que c'est un de mes aliments préférés. La sauce qu'ils mettent avec, c'est trop bon. Vraiment parfait. Aussi, je vais ajouter de l'avocat. Et après, je vais vous montrer le résultat final. Et enfin, pour tout terminer, je me suis acheté un... Je pense que c'est du thym. Non, c'est du romarin. L'autre jour. Et je vais en ajouter parce que ça sent trop bon. Je vais essayer aujourd'hui peut-être de me trouver un basilic. Et parce que j'adore les herbes fraîches comme ça en été. En été, c'est le mois de mars, en printemps. Bisous. A tristeza tem sempre uma esperança de dia não ser mais triste. Observo e penso que eu quero sofrer. Smile, guys. Oh, no, I need to stop saying that. Every time I get my phone out, I'm like, smile. Smile. Say what? Hey guys. Hello, hello. Yeah, what is my catchphrase? Follow my six. For God's sake. Yeah, she's got quite pretty. What does it say? It's very fresh. It's the long hair. Like, long hair is such a trend in France at the moment, I think. Mean beats. Oh, no, you broke his shoe. Oh, yeah. So sad. I love the red nails. Yeah, they're gorgeous. Quite. You look so French, Martha. So do you. No, Carl, you look quite British, but like, yeah, but like South of France vibes. I just look at you and I feel like South of France. Yeah. Okay, so I'm now officially a Believe girl. That was so fun. I was actually so scared that I was going to crash and dive. That was literally so fun. No longer am I taking the metro, especially now that it's sunny. I'm a Believe girl through and through. 10 out of 10 experience. Loved it.
Also, Sundays are the best days because look how empty it is. It's just so peaceful. I love Sundays so much. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Je viens de retourner du gym, de la salle de gym. Et regarde ça, regarde-moi ça. Que c'est bon, je suis vraiment dans l'esprit d'été là. Beauty. Hyper contente parce que c'est la première fois que j'ai... Attends, je vais m'asseoir. C'est la première fois que j'ai pris un Vélib depuis que je suis arrivée en France. Parce qu'en fait, j'avais grave des problèmes de faire un compte. Et du coup, ouais, ce matin, je me suis dit, Héloïse, il faut que tu le fasses parce que la salle de gym, elle est assez loin d'où j'habite. Enfin, assez loin. Ça me prend 15-20 minutes en marche. 5 minutes, même pas en vélo. Alors j'ai fait ça et c'était trop bien, surtout le dimanche parce qu'il n'y a personne, alors t'es toute seule sur ton petit vélib, sur ton bicyclette, j'adore. J'avais, tu sais la chanson bicyclette, j'avais ça dans ma tête, ouais c'était les vibes. Chez la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Je sais pas si je devrais mettre ça ou un pull parce qu'il fait chaud mais il fait pas si chaud que ça. Mais non, je pense que c'est bon comme ça. De rainette, quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas un seul instant. And like, they were like doing this training thing and they were like in scuba diving kit. And then they went out and started showering and we were like, oh my god, that's so sexy. Je viens de rentrer de la scène, c'était sympa, c'est hyper, hyper, hyper chaud. Et maintenant, j'ai tellement soif. Les bases, pulco, plus de citron. Badois et des glaçons et ça va être trop bon, trop rafraîchissant. Aussi chez Zara parce qu'il fallait que j'aille chez Zara faire un échange, un remboursement, bref, redonner des vêtements que je voulais pas. Et la fille elle dit oh, pourquoi vous voulez un remboursement, pourquoi vous redonnez les vêtements? Et je dis ah, j'ai juste changé d'avis. Et elle regarde les vêtements, elle dit je comprends. Et c'est pour ça que j'adore les Français, parce que moi je trouve ça drôle maintenant, je le prends pas mal. C'est juste la honnêteté, elle était juste hyper honnête, quoi. C'est drôle. J'adore les vélos, vraiment, je les adore. C'est trop fun. C'est la quatrième fois que je prends un vélo aujourd'hui, un Vélib. Je deviens un ouf. Je parlais, je faisais même pas ma boisson. Alors, j'ai coupé un morceau de citron, un petit peu de pulco. That was a satisfying click. Des glaçons. Normalement, je l'ai fait moi-même, mais comme je n'étais pas préparée, je savais pas qu'il allait faire si beau. Et du badois ou du San Pellegrino. Regarde-moi ça. Perfection. This is editing Eloise from the future, so I didn't actually get to finish this vlog, really. All I did was do some work and then I think I like went to bed and that was my weekend. Literally since then, I've just been hardcore revising because I've got exams. So that was a super fun weekend. I hope you enjoyed that. Et j'espère que vous avez réussi à lire les sous-titres parce que je sais pas s'ils sont assez clairs, mais on verra. Oh my love, et à très bientôt.